je trouve dommage que ce film ne soit centré que sur une seule rédaction, celle d'El Watan. J'aurais bien aimé voir celle d'un autre journal comme L'Expression ou encore Liberté, qui ont deux avis totalement différents, ou encore des journaux arabophones. C'est une mémoire, c'est une archive de demain. On crée l'archive de demain. Vous vous rendez compte que depuis les années 70-80, il n'y a pas eu de documentaire. Il n'y a pas de documentaire. On n'enregistre pas les documentaires importants de notre société. Donc, enregistrant, même s'il y a de la critique, ça portera ses fruits peut-être dans 20 ans, 30 ans. On doit s'intéresser aussi aux journalistes, car ces journalistes, on a focalisé uniquement pendant la décennie où on les a, effectivement, ils ont été victimes et ça a été une tragédie pour eux. Mais après, on les a laissés tomber, les journalistes algériens. Et ils sont là, ils sont talentueux et on ne s'en préoccupe pas. Non, ils continuent à faire un boulot monstre. Tu fais connaître l'institution.